Mais on l'a dit, c'est maintenant au tour de Nicolas Molos dans le fauteuil. Il faut quand même expliquer que vous avez vécu un moment difficile la dernière fois dans ce fauteuil. Bon, ça s'est pas trop vu finalement à l'antenne. Et d'ailleurs, votre blonde, puisque quand même il s'agit essentiellement d'elle dans ce livre, votre blonde était au final plutôt contente du résultat. Oui, oui. Enfin non, on s'est inquiété un peu. Quand je suis arrivé dans les loges, quand même, elle avait peur parce que... Vous l'aviez amené, hein, il faut dire. Oui, oui, oui. Oui, elle voulait voir à quoi ça ressemblait les coulisses d'un show télé. Et du coup, j'avais encore plus le trac qu'elle soit là parce que je raconte à un moment donné, c'est plus difficile d'avoir honte à deux. D'habitude, je suis tout seul sur la sellette et je pense qu'à ma gueule quand je suis là. Là, j'arrêtais pas de me dire, est-ce que cette phrase que tu viens de dire et que tu trouves déjà moyenne, comment va-t-elle la trouver à quelques mètres de là? Donc vous pensiez à elle tout le temps? Oui, 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 c'est assez classique quand on est amoureux. C'est vraiment ça? Alors, l'idée du titre, la tête... Parce que si on pense jamais à la personne qu'on aime, on l'aime pas. Voilà. Ah, mais c'est encore un cri d'amour alors que vous poussez là ce soir. Vous voulez qu'elle revienne? Oh, Laurent, arrête. Là, ça deviendrait une sorte de discours public. Comment dire, Laurent, vous savez ça, vous aussi, très bien. C'est compliqué pour moi, c'est la première émission que je fais. Je sais déjà que ça va être compliqué parce que c'est très différent d'écrire des choses impudiques. Et de les dire. Et de les dire. De même que, par exemple, dans la vie courante, vous ne m'entendrez jamais dire des phrases grossières ou vulgaires. Et Dieu sait que j'en dis à côté de vous régulièrement. C'est un peu aussi, c'est à peu près aussi radicalement différent qu'une danseuse, par exemple, qui se dévêtirait dans un spectacle, et une fille à qui on dirait bah, « tu le fais sur scène, donc vas-y, fous-toi à poil que je regarde un peu », c'est très très différent. Donc parler de cette jeune femme dont vous n'arrêtez pas de parler, ce qui est normal, puisque c'est dans le livre, la montrer même, comme vous l'avez fait, de façon assez basse, et ah, bah, regardez Serge Calfon, il n'en loupe pas une dans ces cas-là, il la remonte. Il la remet. Mais sauf que ça, justement, c'est ça, très différent. Il ne faut pas, c'est un personnage littéraire. Oui, c'est devenu un personnage littéraire. Donc, qui ne doit rien avoir à faire avec la réalité. C'est ça. C'est justement tout le problème du livre. C'est vrai qu'il y a un hiatus, mais même dans ma tête. C'est-à-dire que dans mon propre esprit, en parlant d'elle, à un moment donné, elle ne s'éloigne pas des masses, mais il y a comme une sorte de scission. Créative qui se fait, et c'est elle, et en même temps ça n'est pas elle. C'est pas un hasard si son prénom apparaît très très peu. J'ai besoin à un moment donné d'en faire la fille dont le chroniqueur est amoureux, la fille qui ne cesse de le quitter, la fille qui ne cesse de s'inquiéter de la vie avec ce type-là, qui a cette image, qui a ce passif, qui a ce caractère. Même quand elle vous quitte ou qu'elle vous demande de vous absenter pendant le temps d'un week-end parce qu'elle est avec son ex ou son compagnon, même dans ces moments-là, au fond, vous ne parlez pas de vous, ou vous parlez de vous à la troisième personne comme si c'était un autre. On se fait piéger, d'ailleurs, c'est très bien foutu dans le livre. On se fait piéger une première fois, la deuxième fois, un peu moins parce qu'évidemment, on s'y attend plus, mais quand même, vous avez du mal à parler de vous à la première personne. C'est venu naturellement. J'avais besoin de mettre en scène le personnage que j'étais. Même là, quand vous en parlant, tout d'un coup, je dis le personnage, oui. C'est complètement moi. Tout ce qui est dans ce livre est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez fait un tout petit peu peur, mon cher Laurent, en parlant d'un recueil de chroniques, parce que c'est vraiment la première fois que j'essaye d'écrire un livre, et pas seulement pour séduire Natacha Polony, c'est la première fois que j'essaye d'écrire un livre sans mensonge. Tout ce qui est, à part deux, trois conneries... Le stérilet, c'est vrai. Non, voilà, c'est drôle, j'allais parler de ça. C'est le passage un peu, je dirais, expliquer à un moment donné. Il offre dans un coffret Cartier, si ma mémoire est bonne. Acheté sur eBay. Voilà, acheté sur eBay. Elle tremble, elle est devant moi, elle s'attend enfin à une bague de fiançailles et tout ça. Et puis en fait, c'est un stérilet pour surtout qu'on ne fasse pas d'enfants dans cette période de crise qui est la nôtre, où je raconte toute l'angoisse des mères de famille à l'approche des fêtes de Noël qui font du slalom entre les pubs Mattel qui cachent les yeux. Parce que c'est vrai qu'on a vécu une année qui était très très riche. On va revoir ça dans les semaines qui viennent, de toute façon, hein, ce passage. C'est pas fini. Je l'ai dit aussi, et je vais donner la parole à Natacha et Aymeric qui reviendront forcément sur votre blonde et sur le reste, mais l'autre personnage assez récurrent, c'est Jean-François Copé. Alors lui, alors, qu'est-ce que vous lui mettez? Il est encore dans elle, hein, cette semaine, j'ai lu votre chronique dans elle, il y a le droit aussi. Oui. C'est irréconciliable, hein, Copé et vous. Oui, parce que voilà, il représente à peu près tout ce que je
dégueule dans la politique française. L'hypocrisie, l'opportunisme, le changement permanent d'opinion en fonction... Je vais lire ce que vous écrivez, tant pis pour vous. Allez-y. Quand je marche dans la merde, je trempe la semelle souillée dans une flaque, puis je la gratte contre le bitume. Au pire, je grimpe chez moi et je la lave à l'eau chaude dans l'évier de ma cuisine. Avec Jean-François Copé, c'est plus compliqué. Voilà. C'est quand même... D'ailleurs, vous allez le recroiser, parce que je me souviens du précédent bouquin où vous étiez croisé dans un restaurant, ça va faire mal encore. Oui, mais de toute façon, le livre n'est pas encore sorti, qu'il a fait une interview il y a 4 jours pour dire que j'étais trop véhément et trop violent et que je disais des choses qui faisaient de la peine à sa famille. Eh bien, il va en reprendre une couche dans la gueule et ça me fera plaisir. Je déteste ce type. Non, mais je le dis sérieusement, parce qu'on s'amuse et tout ça. Et les gens se disent parfois, quand je viens là faire le guignol devant vous, on se dit, sans doute, c'est pour le plaisir de la vanne, c'est pour le plaisir du mot. Vous savez, je ne suis pas moi un humoriste ou un amuseur public. Évidemment, quand je taquine Aymeric, Natacha ou vous-même, évidemment, là, ça se voit que c'est un jeu qui n'est pas véritablement militant, qui n'est pas méchant. Mais en revanche, cette obsession que j'ai de Jean-François Copé, elle raconte quelque chose quand même sur mon appréhension de la vie politique française. On parlait aussi de Léa Seydoux tout à l'heure. C'est ce passage et ce chapitre qui s'appelle « Des branches » où, en gros, vous montrez, vous donnez une autre image que celle qu'on a peut-être de vous. C'est vrai qu'on vous imagine, alors voilà, en discothèque le soir, en train de danser. Ça m'arrive. Ça vous arrive, Raphaël, c'est quelque chose. De boire des coups, de... Ah, Raphaël Personnage. Je viens de l'outer. Première nouvelle. Ah, vous êtes du genre... Vous êtes du genre nightclubber aussi? Ah, pas du tout. Mais à chaque fois, c'est-à-dire je sors peu. Mais quand je sors, quel focus, je sais que je vais voir. Oui, donc vous voyez souvent. Alors. Bref, sauf que là, vous nous dites que non. Vous n'êtes pas du tout dans ce monde branché. Ah, c'est très différent d'être branché et d'aller en boîte de nuit. J'adore, je le dis vraiment, je ne suis pas en train d'essayer de me faire une image de genre idéal, justement. Non, non, j'ai un problème. J'ai un plaisir à me péter la gueule qui est absolument, je dirais, j'ai envie de dire définitif. J'ai besoin de ma cuite hebdomadaire et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'elle me fasse mourir, cette cuite-là. En revanche, c'est très différent d'aimer boire, de danser, de parler, de s'enivrer jusqu'à pas d'heure et d'être branché. J'ai de moins en moins, voire même plus du tout, de plaisir à jouer ce jeu que je raconte, qui est le jeu du bruit qui court, le jeu de « on parle ». En fait, ce qui m'amusait dans ce chapitre, c'était de raconter à quel point les fonctionnements sont les mêmes entre les populaires, entre guillemets, chez les populaires et chez les branchés. C'est-à-dire que c'est juste les noms qui changent, mais cette espèce j'ai envie de dire de bêtise. Pour moi, la bêtise, c'est quoi? La bêtise, c'est ne pas être curieux. La bêtise, c'est d'avoir des œillères et de faire exactement comme le voisin. Eh bien, ils font comme le voisin. C'est-à-dire que je raconte à un moment donné, les beaufs vont à Cannes l'été danser dans des boîtes, les branchés aussi, sauf qu'ils le font pendant le festival au printemps. Mais c'est à peu près, à un moment donné, je m'amuse à citer quelques actrices qui ont toutes envie d'adapter le même roman avec le même partenaire devant la caméra du même réalisateur les unes les autres. Et il y a une sorte de suivisme chez les chics qui est exactement le même que chez les beaufs. C'est ça que j'essaye de raconter. Et j'ai vécu ça de l'intérieur, donc voilà, je me moque, de toutes ces nuits passées avec Bec Bédé et autres, qui sont des petits marquis qui manquent finalement énormément de pensée propre. Voilà, vous lui mettez ça. Un peu d'ailleurs à Bec Bédé, vous pastichez même une réponse imaginaire qu'il pourrait faire à la critique que vous émettez, parce que bah, voilà, il n'a pas été très tendre avec vous, alors que au fond, vous aviez été jusque-là plutôt réglo avec votre camarade. Oui. C'est pas ça, parce que ça serait très très frivole. Si tout d'un coup j'ai un camarade qui n'aime pas ce que je fais, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus précieux, la liberté d'opinion, évidemment, on n'achète pas les gens à coup d'amitié. Donc en fait, il faut expliquer qu'il animait une émission avec des chroniqueurs et ils étaient censés dire du bien ou du mal de votre film Amour et Turbulence avec Ludivine Salier, dans lequel vous jouiez, que vous aviez coécrit. Et vous trouvez qu'il n'a pas suffisamment défendu le film? Non, mais c'est-à-dire quand on a un intime qui vient dîner à la maison, chez qui il m'est arrivé de m'attarder des heures, qui vient à la première, qui était une première, qui n'était pas une première people, qui était une première relativement réduite, et qui vient passer la soirée à me dire des choses agréables, etc., et qui tout d'un coup, 3 jours plus tard,
renie les compliments d'amis qu'il avait fait, il était quand même, il y avait ma famille, il y avait mes proches, et que tu vois la tête de ce qui est censé être ton copain dans le poste se gosser des saloperies que ces petits chroniqueurs du cercle t'envoient dans la tronche, c'est un moment particulier. Mais ça, encore une fois, il y aurait que ça. Ça n'est que finalement le détonateur, je dirais, de quelque chose de plus profond. Je n'aurais pas écrit ce chapitre, je ne l'ai pas écrit juste pour le plaisir un peu complaisant ou fielleux de régler mes comptes avec Frédéric. Je l'ai écrit parce que ça raconte, qu'on le veuille ou non, les un gens peu qui... ce monde, ce métier. Ce monde, ce métier, cette ville. Il y a des gens que ça intéresse. Moi, parfois, on me dit, mais ça intéresse qui, ce que vous racontez? Ben, ça intéresse des milliers et des milliers de lecteurs qui ont acheté mes livres précédents et qui, apparemment, oui, s'intéressent à ce que ça dit la société, c'est-à-dire ce cynisme, cette frivolité. Et puis moi, au passage, ça me permet de dire un peu que je ne suis pas exactement la même personne, le même individu. Et j'en ai besoin, pas par égo... Combien de saloperies je dis sur moi dans ce livre? J'en ai besoin parce que j'aime pas le mensonge et j'en ai marre de véhiculer des mensonges sur moi. Alors sur Léa Seydoux, vous écrivez, en ce moment elle tourne jusqu'à l'écœurement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film depuis dont vous parlez dans ces quelques pages. Oui, La vie d'Adèle. Oui, bien sûr. Vous l'avez vu, qui a obtenu, on le sait, une récompense, laquelle, à Cannes. En ce moment elle tourne jusqu'à l'écœurement, écrivez-vous, avec ce génie psychotique et torsionnaire qui nous avait offert l'esquive et qu'aucune actrice branchée n'a le culot d'esquiver. Oui. Je la sens, Léa Seydoux, à bout de nerfs, répétant « je l'adore » à propos du réalisateur, pour se donner le courage de finir sans bleu, excepté celui de ses cheveux teints pour le rôle. « Il m'a prise, puis il m'a renvoyée, puis il m'a finalement reprise. Je ne sais jamais si je lui plairai encore la semaine suivante, mais j'ai l'impression que le film sera bien s'il ne brûle pas la pellicule d'ici demain », vous dit-elle. Et vous, vous commentez « quelle patience, personnellement ». Abdelatif Kechiche ou pas, il y a belle lurette que j'aurais fait avaler son scénar par le cul. Oui, 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 c'est en ceci que je ne suis pas, qu'à l'heure actuelle, je ne fais pas la carrière brillante, fut-elle récente, du moins brillante, de Raphaël Persona. C'est que c'est vrai que, je le raconte dans le livre, je fais des films, mais pour moi, ça doit rester un plaisir. Pour moi, les rapports humains comptent énormément, vous l'avez bien vu, même... dans cette équipe, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement poreux face à la bienveillance des autres. Et ce qu'elle me racontait ce jour-là, où, voilà, le livre n'est fait que de ça, de rencontres opportunes. Moi, vous savez, je me vis un peu comme une taupe qui raconte à ses lecteurs les coulisses d'une émission de télévision, un dîner avec des grands patrons de presse, des réunions autour de la promotion envisagée pour un film que je viens de tourner, un tournage de cinéma. Je fais rentrer, sur 300 et quelques pages, je fais rentrer le lecteur sous mon toit. Et alors, il traverse le studio, il passe par le grand journal, il termine entre deux câbles, devant une caméra. Il rencontre Léa Seydoux, sur qui je fais des confidences. Je lui fais vivre le festival de Cannes. Je le balade avec moi, au gré de ma vie. Et comme j'ai la chance de faire... trois métiers, si je puis dire, puisque je joue la comédie, j'écris des scénarios et je fais le fou à la télévision et j'écris des articles dans la presse. Donc ces trois métiers-là, qui sont finalement trois visages d'un même désir de s'exprimer, ben, ça fait un bouquin. Il y a moins inintéressant que de passer un an avec un type, même si on m'aime pas. Vous imaginez même, à un moment donné, être dans la tête... Là, le bouquin s'appelle « La tête ailleurs », on a compris, et très bien compris pourquoi depuis tout à l'heure, mais là, votre tête, elle est dans celle de Jacques Chirac, à un moment donné. Ça, c'est particulièrement drôle, je dois dire. Même si c'est cruel, c'est très drôle, parce que vous imaginez dans la tête de Jacques Chirac, actuellement, où hélas, le pauvre, on le sait, a des soucis de santé, et manifestement, on croit le savoir, de mémoire, et vous écrivez « Imaginez le panard ». Pas une pensée à l'horizon, pas l'ombre d'un remords, pour cause d'aucun souvenir, excepté quelques culs de vache et celui spectaculaire d'une fidèle peau de vache sur lequel il est si bon de poser ma calvitie. Évidemment, on a compris qu'il s'agissait de Bernadette. Ce soir, vous êtes toujours à la tête de Chirac, je suis si bien. Je nage sans brassard dans une défonce légale. Ce matin encore, j'étais persuadé d'avoir 14 ans et demi. Et ce soir, ils me jurent tous que j'en fête 80. C'était son anniversaire, oui. Joyeux anniversaire, monsieur le Président. Merci beaucoup, mais qui êtes-vous? Qui sont-ils au juste? L'un d'eux s'approche et se présente comme le maire de Bordeaux. Je passe quelques lignes parce que je voudrais arriver très vite à Alliot-Marie.
À vrai dire, je n'écoute plus tant je relus Calliope-Marie. J'ai toujours eu un faible pour cet homme en jupette, tellement j'adore les arts premiers. J'aimerais bien lui glisser un cendrier dans le nez. Calliope-Marie, je voudrais la sculpter dans une matière fécale bovine. Combien de temps lui faudrait-il pour sécher au soleil? Nous sommes une belle tribu. Dansons sous les drapeaux, ingérons l'Afrique, grattons nos peaux éléphantesques. Je leur souris à tous, je leur concède mes yeux d'enfant. C'est très joliment écrit et en même temps, voilà, cruel à la fois et tendre. C'est tout, Nicolas Bedos, Aymeric Caron. Oui. J'ai la tentation de te casser juste pour te faire chier. Mais je ne peux pas parce que j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, je trouve que c'est magnifiquement écrit. Vraiment, ce qui a beaucoup d'ambiance, d'humeur différente, il y a à la fois des passages hilarants, des passages touchants, qu'à la fois il y a du journalisme, de l'anthropologie. Alors évidemment, tu es le personnage central, principal, mais je n'ai pas envie de dire que c'est du nombrilisme, c'est plus que c'est auto-centré. Mais quand même, c'est un livre très, très humaniste et qui a cette grande force, en fait, finalement, de réussir à parler de nous, de nos travers. Voilà, il y a ce regard très tendre, il y a une analyse, voilà, que je trouve vraiment très subtile. Et puis, qu'est-ce que c'est bien écrit, quand même. Honnêtement, il y a des fulgurances, littéraires. Je sais pas, elle allume ses cigarettes au mégot de mes cigarettes et la fin de ses phrases à la fin de mes phrases. C'est, par exemple, parce que je me souviens, une fois, on s'était retrouvés face à face et vous sous-entendiez que, justement, ce travail sur l'écriture, il était peut-être un peu onanique, ou du moins, il était, je dirais, pour le plaisir de la musique des mots, etc. Mais cette phrase, par exemple... Bon, elle est peut-être correctement tournée, mais elle est surtout très juste. C'est-à-dire qu'elle allume ses mégots de cigarettes aux mégots des miennes et ses phrases à la fin de mes phrases. C'est sincèrement le sentiment qu'elle m'a donné. Pardon. Oui, mais il y a un grand sentiment de sincérité. Ce n'est pas fabriqué. C'est une belle réponse d'ailleurs à ceux qui s'interrogent sur qui tu es vraiment, sur ton personnage. Est-ce que voilà, ce côté un peu dandy, ce côté un peu misogyne qu'on t'a un peu prêté à un moment, là, je pense que c'est une belle réponse, parce que ça dément tout cela. Alors, une interrogation. Comme, néanmoins, tu es le centre de ce livre, les personnages secondaires n'existent pas vraiment. On le disait tout à l'heure, effectivement, ta compagne, elle devient finalement plus un faire-valoir, en tout cas, ce que tu as à dire. Et à un moment, on a l'impression que, finalement, les femmes, peut-être, puisqu'il y a beaucoup de questions de femmes, partent parce qu'à un moment... Vous n'écrivez pas leur roman, mais que vous servez d'elle, tu te sers d'elle, on se tutoie. Parce que tu te sers d'elle pour écrire ton propre roman. C'est une jolie question. Peut-être. C'est une question qui me plonge dans un abîme de tout d'un coup. Vous n'avez quand même pas tombé amoureux d'une petite bite Non. Ceci dit. On va s'arrêter parce que là, maintenant. Une rumeur. Mais justement, tant mieux, ça fera une belle surprise. C'est mieux que l'inverse, hein. Ça, c'est vrai. Bruel, maintenant, il y a des filles, elles sont déçues. C'est vrai. Et ceci dit, vous avez vu ce qu'écrit Nicolas sur moi. À un moment, vous parlez d'une aventure entre nous. C'est un truc incroyable, puisque Nicolas raconte... Je raconte la terreur qui est la mienne à la veille, celle que vous avez vécue peut-être hier soir, mes amis, puisque vous êtes novice dans cette émission. Je raconte un peu les angoisses qu'on peut ressentir la veille d'un « on n'est pas couché », d'un « ONPC ». Et je dis à un moment donné que je commence par cauchemarder avec Natacha Polony, mais que ces cauchemars se transforment assez vite en rêve érotique avec Aymeric Caron, et que je ne suis finalement... homosexuel que dans mon sommeil, ce qui m'oblige parfois à me réveiller avec le poing de ma fiancée dans le derrière. Bon, tout ça est un tout petit peu bizarre. C'est pas avec vous, Natacha, que ce serait un cauchemar. C'est parfois face à certains de vos arguments. Alors justement, donnons la parole à Natacha Polony, son avis sur La tête ailleurs. En fait, j'étais... Je vais revenir combien de fois avant de la voir, cette salope. Voyez, cette famille. Moi, je n'attaquerai pas parce qu'on me traite de salope. Je vais même essayer de mériter le titre. Ça, c'est dit.
Tu sais, ça pourrait être un bon pitch pour la carrière de quelqu'un qui réécrirait à chaque fois un livre dans l'espoir d'avoir une critique qui serait positive. Et tout à coup, la bibliothèque se remplit, le mec fait une œuvre, et un jour, il a le Nobel, et la fille lui dit à la fin, la fille Natacha Polony lui dit à la fin, « J'ai pas voulu te le dire pour que tu continues à écrire, mais qu'est-ce que t'as comme talent, Nicolas ?» Ah. Ah, bien joué. Mais justement, j'étais ravie de voir sur la couverture écrit « Récit ». Oui. Je me disais, enfin, Nicolas Bedos s'attaque au dur. Au dur. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que je retrouve ? Ah, il n'y a pas écrit roman. Les chroniques que j'ai lues toute l'année. C'est pas vrai. C'est injuste. C'est pas juste, ça. Non, il y en a une partie. C'est pas juste. Et des très intéressantes. On a calculé avec mon éditrice. Ma chère Natacha, je vous coupe juste là, parce qu'après, ça m'intéresse. On a calculé, justement. On n'est pas terrible. Ah bon ? On a calculé avec, non pas mon éditrice, avec mon attaché de presse. Il y a exactement 127 pages. Oui. Qui ont déjà été parus dans Marianne. Le livre en fait combien, Laurent ? Alors, allons-y, attention. Pardon, hein. Je suis juge-arbitre, 330. 330. Je vous mets au défi, vous êtes quelqu'un qui travaillait de façon rigoureuse, je vous mets au défi de me contredire sur le fait qu'il y a 127 pages dans ce livre des chroniques dans Marianne. Donc, plus de la moitié d'inédits. Je suis entièrement d'accord. Pardon. Simplement, ce dispositif qui fait que vous mettez des chroniques qui, d'ailleurs, sont excellentes, hein, votre analyse bah de alors, la... De, bah votre, alors, non, non, les chroniques, votre analyse de la mort Marianne de la presse magazine, c'est un des meilleurs papiers qui soit paru sur l'état de la presse aujourd'hui. Sauf que vous continuez à vous cacher. Vous vous planquez avec ça. Là, à part les échographies de mon intestin grêle ou la photo carrément de mon sexe, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans le dévoilement. Je crois que c'est ce qu'elle veut. J'attends avec impatience. J'ai eu le sentiment que vous, évidemment, que vous vous dévoilez à certains moments. Par exemple, bien sûr qu'il y a ces phrases sur le regard des autres m'importe au plus haut point, il peut même m'obséder, mais leur mépris ne me surprend jamais. J'y nage en connaissance de cause. C'est un passage important, ça. C'est un passage essentiel parce que vous dites exactement quel est votre rapport aux autres. C'est en effet, vous nous racontez comment pendant des années vous vous êtes planqué. Oui. Sauf que on sent que vous continuez à vous planquer en n'attaquant pas un roman qui serait un total roman. Non pas dans le sens où j'attendrais de vous de raconter un récit, de raconter une histoire avec des personnages, etc. Racontez-vous, ça ne me pose aucun problème. Mais racontez-vous avec autre chose que cette façon de mêler une actualité, de mêler vos détestations de Jean-François Copé. Ça vient phagocyter ce qui fait l'intérêt de ce livre, à savoir l'immense sensibilité qu'il y a, la lecture que vous avez du monde, qui pourrait être beaucoup plus intéressante s'il n'y avait pas de temps en temps ces petites résurgences. Bah, moi, voilà. Je trouve que les deux se confondent, pardon, parce qu'on apprend aussi à travers les chroniques qu'on pouvait lire dans Marianne, même si, effectivement, c'est une minorité de pages dans le bouquin. Les deux se confondent très bien et ça forme un récit au final. Et on apprend à mieux le connaître aussi à travers ce qu'il écrit sur la politique et sur cette société. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant dans votre lecture du monde, dans ses chroniques, je me suis aperçue que vous étiez sur la pente réactionnaire. Et là, je me suis dit... Oh, c'est un peu exécutif. Je me suis dit, Nicolas... Non, je fais tout pour vous plaire, mais de là, carrément, à adhérer... Cette façon, par exemple, de critiquer la muflerie moderne. Formidable. Ah oui, il a des pages vieux con, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les pages de vieux conisme, mais bravo. Oui, oui, mais bravo. Vous en parliez. C'est pas très axe, ça. Une lecture, mais si, totalement. Non. C'est... Bah non. C'est non. J'anticipe ce que pense Aymeric. C'est pas forcément réac, ça. C'est non. C'est pas le refus du progrès. C'est le recul par rapport à celui-ci. C'est la mélancolie. Réac n'est pas le refus du progrès. C'est en effet le recul par rapport à celui-ci. C'est un peu lié. Bien sûr. Et il y a dans votre lecture du monde, dans votre mélancolie, justement quelque chose qu'on aimerait vous voir creuser. Parce que quand vous parlez. Nicolas Vaud. Non, mais parce qu'il a écrit une pièce qui s'appelle Problème de santé, qui est une pièce d'une profondeur incroyable et qui s'est jouée à la Pépinière Opéra. Mais c'est une pièce incroyable. Incroyable. Et en voyant les autres pièces, j'aurais jamais cru qu'il pourrait y avoir une pièce comme ça. Non, mais c'est vrai.
Mais je veux juste dire un truc à. C'était avec Jérôme Kircher dont tu parlais tout à l'heure et Mélanie Laurent. Ouais. Moi, ce que je trouve beau dans le roman, je peux dire. Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé les scènes avec la mère qui reviennent à chaque fois, là. Les déjeuners, les dîners, je trouve ça... Enfin... Ah, alors, vous parlez de la maman, mais vous parlez, on peut parler du papa aussi. Parce que là, vous êtes malin. Vous avez une façon de parler de votre papa sans en parler, en abordant Michael Douglas, le fils de Kirk Douglas. Parce que ça, évidemment, ça ne peut échapper à personne. Vous racontez toute la tendresse, toute l'admiration que vous avez pour cet acteur, Michael Douglas, qui était à Cannes pour ce film, d'ailleurs, qui est toujours à l'affiche actuellement, Liberace, qui l'interprète, ce musicien totalement folle, homosexuel. Et vous retracez très rapidement une partie de sa carrière étonnante, éblouissante, alors qu'au départ, et c'est là évidemment qu'on se dit, bon bah il le fait évidemment parce qu'il pense aussi à sa situation et à celle de son père, Michael Douglas, au début, on n'arrêtait pas évidemment de comparer sa carrière à celle de Kirk Douglas, son père. Et vous dites même, ça je n'en reviens pas qu'aux États-Unis quand on l'invitait sur un plateau, on comparait des scènes de films et des scènes de son père. Oui, j'ai appris ça en lisant plusieurs articles à son sujet. En fait, on l'invitait dans des émissions comme celle-ci, dans des talk-shows américains, et il faisait des espèces de montages de sujets avec des bouts de scènes qui étaient à peu près comparables, où ils jouaient tous les deux, par exemple, un méchant ou tous les deux la colère, entre lui et son père, qui était vraiment montée et faite pour... qu'on retourne sur le plateau et que lui, tout d'un coup, face à l'écran, ait l'œil hagard de honte, presque, pour essayer de lui prouver. Eh bien, on l'a fait ce soir. Voici donc. Mais non. Il a eu la trouille. Hein. T'as vu le truc ? Oui, voilà, j'ai trouvé ça. Non, mais puis surtout, il a dit une très jolie phrase. Il a dit cet homme que j'aimais tant. On me l'a fait détester de 30 à 40 ans. Et c'est-à-dire que les journalistes, en fait. Parce que, vous savez, moi, le public, quand je me balade, les gens que je croise et tout ça, on ne m'en parle jamais, en fait, de cette problématique-là. Cette problématique, je la redécouvre à chaque promotion, à chaque livre, à chaque film, où, tout d'un coup, en effet, ça revient sur le tapis. Mais il y a une sorte de véritable fossé entre... j'ai envie de dire les gens et les journalistes. C'est très différent. Et juste, pardon, hein, après je laisserai parce que mes camarades, ils ont des choses à raconter sur ce qu'ils ont fait et ils vont se faire chier. Je voulais juste répondre à un truc à Natacha. Je trouve que cette mise en perspective de ma vie privée avec l'actualité, j'allais dire la petite histoire avec la grande histoire, c'est pas la grande histoire, hein, les Hollande, tout ça, je suis pas sûr que ça restera dans la grande histoire, même le mariage gay, je suis pas sûr que ça restera un regard. Mais je trouve ça un tout petit peu plus, je dirais, légitime que vous semblez le dire, en ceci que un ami m'a dit l'autre jour, et c'est véritablement la vérité, m'a dit c'est un livre sur la précarité du monde qui est professionnel, qui est le tien, puisque je parle en permanence du cinéma dont les films en salle sont en train de... La fréquentation des films en salle est en train de baisser. Je parle du journal dans lequel j'écris. Il y a encore quelques jours, moi qui écris dans Elle, il y a encore quelques jours, la publication du journal a failli être empêchée par la grève des salariés du groupe Lagardère, parce que tout d'un coup, le groupe est en train de se séparer d'un certain nombre de titres. La crise de la presse, le problème, c'est pas la crise de la presse, c'est que c'est ce que ça lui... C'est ce que ça l'incite à perdre en rigueur, en intégrité. Ça l'incite à racoler le lecteur. Mais alors, quand on parle avec certains directeurs de journaux, ils vous le disent. Mais comme moi, je vous dirais, oui, j'ai mis une chemise noire parce que ça passe bien à la télé. C'est-à-dire que pour eux, c'est une évidence. Il n'y a même plus de culpabilité, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Moi, ça me fait froid dans le dos quand même. Alors ça, je voulais le mettre en perspective avec ma petite histoire, c'est-à-dire celle d'un type qui est amoureux d'une femme qui n'arrête pas de partir. C'est-à-dire la précarité, je ne vais pas faire le film qu'elle crotte de ce soir, la précarité sentimentale et la précarité sociétale et sociale. Je trouve que, en tout cas j'ai bossé comme une brute pour essayer de faire en sorte que ça s'imbrique harmonieusement. Si je peux juste citer une phrase qui, à mon avis, résume tout le problème et ce que moi j'attends, parce que vous le dites vous-même, vous citez cette histoire d'un guide que vous avez rencontré, guadeloupéen, qui a un talent lyrique extraordinaire. Et vous lui demandez pourquoi il n'a jamais mis
ce talent dans un roman et il vous répond « Mais pourquoi faire, mon bel ami? Je me délecte bien assez du magot des anciens. La seule question, c'est pourquoi ferais-je couler mon minable ruisseau dans un océan que je n'ai pas fini de traverser ?» C'est une très très belle question, il vous dit à la fin « Mais vous avez peur, si peur, je le vois dans vos yeux, vous ne cessez d'avoir peur. Quand je lis au soleil, vous écrivez dans la grisaille. » Et je crois qu'en fait, c'est autour de... c'est ça le centre du livre. C'est la question de votre rapport à l'écriture et de la façon dont vous pouvez ou ne pouvez pas prendre à bras le corps ce besoin d'écrire. Ce besoin d'écrire. Et de se confronter aux œuvres des livres que vous aimez. Oui. Ça s'appelle La tête ailleurs. Il y a des choses très personnelles, très intimes, on l'a dit. Mais il y a aussi, de rappeler ça, le Nicolas Bodos, qu'on aime aussi dans son écriture et dans son... quand même, moi, il y a des choses qui m'ont fait hurler de rire. Je voudrais donner juste un exemple. Mme Tapie, Dominique Tapie, la femme de Bernard. C'est une sacrée ninfo, dites-vous. Des preuves en un seul mariage. Elle a tout de même trouvé le moyen de se taper à la fois un chanteur, un vendeur de basket, un patron de club de foot, un ministre de gauche, un tolard, un bon acteur de cinéma, un mauvais comédien de théâtre, un leader antiraciste, un soutien de l'UMP, un patron de presse milliardaire. Et si l'on en croit les derniers rebondissements dans l'affaire d'arbitrage, cette gourmande quinquagénaire ne se range guère des bagnoles puisqu'elle s'apprête à mettre le grappin sur un futur pauvre. Comble de la perversité, tous ses amants s'appellent Bernard Tapie. À la question profession du mari, il paraît qu'elle s'évanouit. Voilà, c'est très drôle. Il y en a plein comme ça. C'est signé Nicolas Bodos. Et c'est cher Robert Laffont. Quelques tweets. À vous de choisir entre ces 6 numéros. Un premier. Je vais prendre le singe, tiens. Le singe, le numéro 3. Nicolas, avouez, vous n'êtes venu que pour voir ce chroniqueur beau gosse, talentueux, un brin, provocateur qui fait tant parler de lui. C'est un bon choix, on s'arrêtera sur celui-ci. Merci beaucoup. Adepte. Ceci dit, je me dis la vérité, c'est un exercice que je referai. Enfin, heureusement, là, je m'apprête à faire la promo de ce livre. Je préfère débarquer par là. Hein. Ah, oui. Non pas que j'ai passé un moment si terrifiant, mais c'est vrai que. Je suis quand même plus intéressant, un tout petit peu plus intéressant quand je prépare mes textes. Et puis j'adore faire ça avec vous. Un deuxième numéro. Le faux McDan, qui est lui-même un faux plein de choses. Le numéro 1, donc, le faux McDan. Rob Terra. Nicolas, ne trouvez pas qu'elle est un peu longue, votre chronique aujourd'hui? C'est vrai, allez, on arrête. Ça marche. Vous pouvez rejoindre votre place. Mimi est citée, d'ailleurs, à un moment donné. Mimi Mathy est citée une fois. On revenait au Moyen-Âge. Voilà, si on revenait au Moyen-Âge. Ah, oui. En fait, c'est la nostalgie, là. On revient au côté réac, c'est le temps qui passe, le fait qu'on ne vit pas toujours à la bonne époque et que les critères changent en fonction des siècles. Ah oui, oui. Mais moi, j'aurais rêvé d'être ami avec Alfred de Musset pendant des années. J'allais lire ses poésies devant sa tombe. Et puis, bref, plein de choses comme ça. Le temps gâche tout. Demandez à Dominique Strauss-Kahn, dont les mœurs romaines auraient fait un héros aujourd'hui. Demandez à Marine Le Pen, dont le régime nazi aurait fait une gauchiste. Demandez à Angela Merkel, dont l'esthétique napoléonienne aurait fait une top modèle. Demandez à Mimi Mathy, dont les canons moyenâgeux auraient fait une basketteuse.